malgré le fait que je bouge les jambes, cette fichue de position assise m'empêche d'avancer. N'ayez pas peur, Ashley. Discutons de la situation en buvant une belle tasse de thé. Soit. J'accepte un breuvage. Mais je le boirai avec mes contraintes, mais... C'est très bien, Ashley. Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Naïve. C'est ce que je croyais. Hey, heureusement, je porte cette discrète bague tortue qui cache une poudre saporifique. J'en laisse tomber discrètement une pincée dans la tasse. Le poison est indétectable. Aïe, aïe. Je prends mon thé avec 20 sucres, s'il vous plaît. Certainement. Ça va pas bien. Et un nuage de lait. Je sais pas comment. Ça marche pas. Et un peu de miel. S'il était possible de rajouter une guimauve. Vous savez, je dis du miel. Je prendrais plutôt un peu de cacao. Voici votre thé qui ne contient aucun poison. Merci. Oh, je me sens si faible. Non, il faut boire le thé avant de faiblir. Pardon. Oh, Dieu, qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Naïve? C'est ça. Je sens la tête me tourner. Dans un instant, Ashley sera inconsciente. Dans un instant. Allez, Ashley, laissez-vous aller. Voilà, prenez votre temps. Voilà ce qui arrive quand on achète un poison à solde. Enfin! Et c'est reparti. Bob! Brett! Je sais que tu as des bras. Oui, mais j'ai une explication logique. J'avais les mains dans mes poches. Fashion. Oh! Quel habile stratagème, j'aurais dû m'en douter. La même ruse a été utilisée lorsque les Européens ont envahi l'Amérique du Sud au XVIe siècle. Tout comme des bras. On croyait que les autochtones avaient disparu pour finalement vite se rendre compte que le peuple inca était caché derrière un sofa. Enfin, c'est ce qu'on dit. Battons-nous! Je vais maintenant m'étendre derrière le sofa afin de faciliter le combat. C'est une excellente initiative, frérot. Attends, j'ai autre chose pour toi. Bouge pas. Impressionnant! Attends, ne bouge pas. Ça fait mal! Souvenir de famille, est-il? Oh. Et c'est bien visé. Ça va faire mal. Et... Il n'y a plus dedans. Ça fait mal! Changeons de position. Oh. Bonne idée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Brad? Tiens, tu m'as brutalisé! Tu en redemandes? Non, j'ai eu ma notion! Très bien. Considère cet épisode clos. Mais gare à toi, Brad. Oh, gare à toi.